GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV. Our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. GLTV, we've seen you in Europe. We're back in Miami, Art Basel, next week, best weekend of the year. And guess what? We're coming in here from the Versace Mansion, and there's only one station that covers this shit. It's called GLTV. Let's go. Thank you. Ok, ok, la famille, c'est Mokobé du 113. On est ensemble, c'est Doudé pour GLTV.com. Attention, ne zappe pas, il faut regarder, c'est important, c'est ici que ça se passe, seulement sur GLTV.com. On est ensemble, les jaloux vont maigrir. Merci. GLTV.com, net in a film. On est ensemble, trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto, trop d'avance comme Nzambé sur Bissoko. À suivre, Ika De Young, Long Jam. Bonsoir, mes amis de GLTV1.com. Touba Boboudelo, Ika De Young. On est toujours à Miami. Toujours, on dit, dans le pays de Barack Obama. On est encore là. Là, je crois que je vais vous montrer quelque chose. Ici, les gens vivent avec le cœur. Ici, les gens vivent avec le partage. Et ce partage-là, il y a un monsieur qui a choisi de décorer sa maison pour une cause. Et la seule cause, c'est une maladie qui s'appelle l'autisme. Donc, il permet aux gens de venir visiter sa propre maison où il a décor. Et les gens versent un fonds qui va vers cette recherche pour guérir cette maladie. En tout cas, c'est un pays où on peut dire haut et fort, il y a de l'amour, il y a de l'espoir et il y a de la volonté. Donc là, c'est un exemple à suivre. Vous allez voir à travers les images de Touba Boboudelo que ici, la lumière, il y en a, et les gens se disent, on peut créer ce partage-là à travers de telles œuvres. En tout cas, merci à ce voisin qui a permis qu'on filme tout ça pour vous montrer que l'excellence est aussi ici. Donc à travers cette émission, ce soir, sur GLTV1.com, on est toujours à Miami, Bruxelles dans pas longtemps, mais on est toujours sur le terrain. On est venu pour un événement. Un événement assez spécial, le Keen Arts Exposition. Et derrière cet événement, il y a une grande dame. Et cette grande dame a permis à GLTV1.com d'être sur le territoire américain. Cette grande dame a créé cet événement. Mais on va quand même rentrer dans les détails parce que les gens se posent la question, qui est cette personne? Pourquoi Keen Arts Exposition? Pourquoi Miami? Pourquoi le continent africain est représenté ici? Donc, restez connectés et vous allez suivre et les réponses à toutes vos questions. Merci. Voilà, je remercie aussi Tantine Fatih Djandi, la patronne de Miami, qui nous a énormément aidé dans l'avion. En tout cas, big up et respect to a big lady. She did it in Miami. Merci à elle. Donc maintenant, je vais vraiment commencer l'émission et je vais appeler Madame Solange Mwakana Kabamba. Elle est là. Elle est belle, hein? Ça, je dois le souligner. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, GLTV et toute l'équipe qui est derrière GLTV. Vraiment, c'est une joie et une grâce de pouvoir vous avoir à Miami. Et bon, voilà, on est voilà, là. Ouais. En tout cas, Solange Mwakana Kabamba, nous vous remercions énormément d'avoir permis cette opportunité qu'un site qui vient de l'Europe et venir dans le continent américain. Ce n'est pas encore arrivé. Vous avez amené un exploit, vous avez amené une certaine innovation. Dites-moi, pourquoi GLTV aux États-Unis? Mais GLTV, c'est en fait le but, le fait qu'on soit quand même tous d'origine africaine. Et étant moi-même née au Congo, à Kinshasa, et c'est comme je dis, c'est important quand on vient d'une racine, de ne pas les oublier, même si on fait le monde entier, qu'on a eu peut-être la chance d'avoir cette plateforme internationale ou se développer ailleurs. C'est important de quand même ne pas oublier d'où on vient. Et c'est ça en fait le but de cette émission, pardon, le but de cet événement de KeenArtExpo.com, qui est un label de Soul Vision PR avec plusieurs collaborateurs. Donc Soul Vision PR en fait c'est
C'est une boîte de marketing, de stratégie marketing qui se base plus dans le développement social, économique, qui a pour tout but en fait d'aider les entrepreneurs, de leur donner une vision extérieure dans tout ce qui est apport économique, social, de développement. Et bon, la qualification de mes clients pour Soul Vision PR, je travaille beaucoup avec des clients qui veulent aussi quand même redonner dans leur communauté. Et c'est important de souligner que c'est vrai que tout le monde veut avoir un revenu dans sa société, mais il faut jamais aussi oublier de redonner. Donc le give back, c'est surtout on reçoit et on redonne. C'est pas, comme je dis, Soul Vision PR, c'est pas une organisation à but non lucratif. Donc je veux dire, c'est une société. Donc il y a des clients, mais le but, c'est de dire à des clients, voilà, il y a des contrats que vous faites et à part ça, vous devez quand même vous impliquer dans la société. Donc c'est comme ça que je travaille beaucoup en collaboration avec les NGO, qui sont surtout focalisés sur les femmes, parce que je pense que, étant africaine, la femme joue un très grand rôle, mais pendant plusieurs années, elle n'a pas eu cette plateforme, et surtout dans le milieu francophone. Ouais. Donc, comme j'ai dit, j'ai une grâce d'être aujourd'hui congolaise américaine, et je le dis parce que Congo, c'est le premier, et américaine, c'est mon pays d'adoption. Oui. Donc, j'oublie pas mes racines, mais en même temps, j'aimerais vraiment que les femmes commencent à se mettre ensemble. Nous sommes tous très fortes dans tout, et c'est important que chaque personne puisse soutenir la vision de chacune. Oui. Et vraiment dans le but professionnel. Ça serait une bonne chose, et donc dans le milieu francophone, c'est quelque chose qui commence à arriver. Je suis très fière de mes sœurs et les mamans francophones, surtout congolaises. Donc ça fait quand même plusieurs années que je suis dans la plateforme avec l'association Here Congo, qui a commencé à Miami par une fondatrice d'origine congolaise. Le but, c'était vraiment d'aider beaucoup les femmes de l'Est, ce qui se passait à l'Est, de participer dans toutes ces conférences aux États-Unis. Et c'est à partir de là qu'on a compris, ma collègue et moi, que tout le monde peut parler du Congo, mais les seules personnes qui veulent parler du Congo, de ce qui se passe, c'est les Congolais. Tout à fait. Donc, c'est les vrais Congolais qui connaissent le problème congolais. Exactement. Donc, toute personne peut venir se servir, aider, c'est bien, mais le Congolais doit comprendre que c'est par le Congolais et c'est par notre initiative au pays que les choses seront un peu mieux. Je viens de Kinshasa. J'ai eu la grâce de repartir après 25 ans à Kinshasa. Et ce que j'ai découvert, ça m'a un peu donné de la peine, parce que y a beaucoup de travail à faire. Et comme je dis toujours dans ma philosophie, on n'a pas besoin de 70 millions de personnes pour faire une chose. Seulement 1 million peut changer les choses. Donc je pense que c'est une bonne voie. C'est que j'ai vu beaucoup de personnes motivées, que j'encourage, que je le dis, il faut pas baisser les bras, parce que votre vision, elle est très unique. Il faut juste travailler. Le travail, il y a que ça. Donc je crois que c'est le travail qui paye, c'est le travail qui permet d'évoluer. Il y a des gens qui se posent sur gltv1.com, madame Solange Kabamba, qui veulent quand même savoir qui est Solange Mwakana Kabamba. Bon, moi, Kena Solange Kabamba porte plusieurs chapeaux, je dirais. Mais bon, je suis plutôt une personne, professionnellement, je travaille dans le marketing, relations publiques. J'ai eu la plateforme par la Chambre de commerce congolaise qui a été instaurée à Miami pendant 11 ans, que malheureusement a dû être fermée l'année dernière à la suite de la mort du président de la Chambre de commerce, qui est en même temps mon ange et mon frère, Simon Kabamba. Et c'est la Chambre de commerce a commencé par l'initiative de mon père, qui est mon mentor, ouais, le docteur Kabamba Nkamani. Salut en passant aussi. Je crois que j'ai le plus beau et le plus la personne qui peut me donner le plus bon conseil au niveau de tout ce qui est diplomatie. Donc ça, c'est vraiment la joie. Sans oublier bien sûr ma mère, comme je dis,
c'est la fondatrice, le pilier. ma maman, comme on l'appelle, maman Yuki, chez tout le monde. Je crois que sa gentillesse, sa bonté, peut-être c'est ce côté-là, et ce côté business, et ce côté entrepreneur, je l'ai peut-être eu de papa. Donc la plateforme était plutôt, j'ai travaillé dans la chambre de commerce, j'ai fait des études dans l'hôtellerie, donc j'ai travaillé ici à Miami dans une grande boîte au niveau des network, oui. Le network des agents immobiliers, donc c'est quand même un domaine au niveau du tourisme, que là où je me sens à l'aise, c'est pour ça que je suis quand même à Miami pendant autant d'années. Donc voilà, c'est un peu ça. Je crois qu'on a quand même une réponse à cette question, parce que Léonard Moulamba, qui est à Bruxelles, avait quand même posé la question, que nous saluons en passant. On remercie aussi Afro Fabulous de Velo, qui a habillé GLTV1.com, qui sera représenté aussi au Keen Arts Exposition. Solange Makanaka Bamba, pourquoi avoir choisi Keen Arts Exposition? Il y a le mot Keen qui revient, yes, qui est quand même, on entend le son Kinshasa, la République démocratique du Congo, qui sera aussi représentée, mais on doit préciser qu'il y a des autres cultures qui seront aussi là. Yes. Un petit mot sur ça. Bon, Keen Arts, c'est une collaboration. Déjà, comme j'ai dit, je suis née à Kinshasa, je suis congolaise, et j'ai quand même mon premier événement, c'est aussi au niveau spirituel. Hein. Je dis, d'abord, il y a Dieu, il y a moi, et puis il y a vous, quoi. Donc, God, you and people. Exactly. Voilà. Donc, je pouvais pas démarrer cette aventure sans redonner dans ma ville natale. Et donc, pour ça, j'ai embrassé, j'ai demandé à tous les Africains, j'ai demandé à toute personne qui avait cette vision de redonner à la fin de l'année. On est en décembre, donc on a quand même l'esprit de fête, l'esprit de joie, l'esprit de reconnaissance, l'esprit de dire, voilà, il faut quand même faire quelque chose de beau. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir des collaborateurs qui sont, je peux rien dire, c'est vraiment ils se sont joints dans ce projet. Donc j'ai un Congolais que je salue qui est artiste, qui s'appelle Bayunga, et qui fait partie de la partie art. Donc il a eu l'habitude de toujours participer à l'événement du Art Basel en Floride, donc il m'a proposé de se joindre à Keen Art avec Soul Vision, parce que lui aussi il est très motivé au niveau de motiver les jeunes au Congo au niveau de l'art. Et je pense que c'est très important que l'Américain comprenne la culture africaine. Donc, et puis moi j'ai grandi avec Keen Label, hein, donc il faut que ça revienne. Donc la bonne époque de Keen Label. Donc il faut quand même, j'ai une fierté de mes racines, donc je crois que partout où je vais, quand on me dit vous êtes américaine, non, je suis congolaise, I know where I'm from. Yeah. C'est une certaine fierté, on doit le dire haut et fort, parce qu'on sait que dans le continent américain, il y a beaucoup d'Africains qui des fois ne savent pas. On peut le souligner, hier on a été dans un restaurant de la place et il y avait des Africaines qui ne connaissaient pas leur background. C'est très triste. Mais comment est-ce qu'on peut signifier ça, la communauté congolaise qui est ici aux États-Unis? Ça se passe comment? Bon, aux États-Unis, je suis vraiment, je vois que beaucoup de monde maintenant s'implique, se met ensemble. Bon, je peux pas parler des autres États parce que en Floride, malheureusement, il y a pas beaucoup de Congolais. Mais à ce que je connais, dans d'autres États, Washington, Atlanta, New York, donc tout, je crois que la communauté américaine congolaise commence maintenant à faire des grandes choses, et sans oublier aussi le Canada, parce qu'on est tous de l'Amérique du Nord quand même. Donc je vois qu'il y a une très grande motivation, et bon, je pense que c'est un bon départ. Et ils sont tous, ils seront tous là, ils seront ici à Miami, et vraiment je les remercie. Et comme j'ai dit, bon, il y a par BKS, j'ai aussi Roots Events qui fait des grands événements en Europe. Christelle, c'est aussi, c'est formidable que je puisse l'avoir dans le team. Et bien sûr, j'ai mon mentor dans le PR qui est Yetunde, de ICPR, qui d'origine nigérienne. Et qui a aussi qui est aussi très développé dans son label, et qui a aussi compris la nécessité de rassembler les entrepreneurs africains, se mettre ensemble et vraiment de démarrer sur l'Afrique. Et cet événement, c'est vraiment culturel, c'est quelque chose vraiment où on se dit, on le fait une fois par an, c'est vraiment pour avoir cette plateforme pour tout le monde et montrer toujours dans le sens qu'on peut s'investir pour les autres. Voilà, donc on peut s'investir aussi pour les autres.
importe, c'est de l'amour qu'on partage. Et je crois que quand même, quelque part, ça doit rester humain de partager cet amour. Solange Mwakanakabamba, on sait que Miami, c'est quand même une plaque tournante où il y a un événement qui se passe pendant cette période où nous sommes ici, où l'art est mis en valeur. Et on n'oublie pas de souligner aussi qu'il y aura des personnalités qui seront présentes, des artistes, des sportifs. Donc, le grand monde, Serge Ibaka sera peut-être là. Donc, on doit le souligner. Il n'y a pas que Serge Ibaka. Il y a beaucoup de personnes qui seront là. Il y a beaucoup de personnalités. Comment est-ce qu'on peut gérer cette journée-là? Parce qu'on ne doit pas oublier qu'il y aura le 5 et le 6 décembre. Et c'est déjà overbooked. On doit vous le dire parce que ça n'arrête pas, les Instagram, les réseaux sociaux, donc tout est touché, Facebook, les pages privées, tout, tout, tout. Donc c'est un événement, on se dit qu'à un moment donné, on aura trop de monde. Solange Mwakanakabamba, comment avez-vous pu réaliser ça? C'est un de vos rêves qu'aujourd'hui vous avez dit, je me lance et voilà le résultat qu'on va voir le 5 et le 6 décembre. C'est un peu un rêve qui est venu depuis l'enfance, je pense. Je crois que c'est le fait d'avoir eu mon père travailler dans différents pays, comme il est médecin, il était représentant de l'OMS, et on allait dans beaucoup de pays qui étaient vraiment très démunis, et c'était important de voir que, bon, il y a la culture qui est importante, et c'est vraiment en revenant à l'événement, je m'attendais pas à tout ce buzz, et comme je dis encore, hein, apparemment, c'est come from the master, donc donc on a demandé à tout le monde de quand même d'aller sur le site www.keenartexposition.com. Il y a plus d'informations pour les tickets. Malheureusement, les participants, tous ceux qui devaient être sur la plateforme, ils avaient une date limite pour s'enregistrer. Donc, on ne prend plus personne. Mais par contre, vous êtes les bienvenus à assister. Donc, le 5 décembre, c'est l'ouverture. Il y aura une exposition d'art, il y aura l'exposition et on essaie de récolter le fonds pour un documentaire qu'on essaie de faire avec la fondation Here Congo pour pouvoir montrer le travail des femmes congolaises au Congo et pour les mettre qu'elles sont maintenant capables, elles veulent absolument remonter le pays et assister au développement au niveau de l'éducation, de la santé, de l'agriculture. Here Congo va présenter son projet et aussi en même temps on a le fundraising, l'événement de charité pour récolter les fonds pour la production de la vidéo, du documentaire qui a déjà été sponsorisé par l'Université de Miami que je remercie beaucoup. Et donc bien sûr, toutes personnes qui aimeraient bien connaître plus, donc vous pouvez aller sur www.herecongo.org et vous aurez plus d'informations si vous voulez participer dans ce documentaire qui va être magnifique et c'est mettre vraiment la femme à l'avant, la femme congolaise et vraiment montrer que voilà, we are ready, on est prête. Et il y aura ça le vendredi, donc ça commence à 7h. Oui. Donc on est là jusqu'à minuit et il y aura peut-être une introduction de Lincha là, qui va être plutôt plus c'est une chanteuse qui est aussi une femme très battante qui est managée par une femme aussi, son manager c'est une femme, donc c'est aussi quelqu'un qui a vraiment de l'amour et de un grand cœur. Donc elle sera là aussi vendredi, mais samedi c'est le grand show. Comme j'ai dit, c'est le All Basel Week à Miami. Je suis sûre que beaucoup de personnes connaissent cet événement qui a commencé en Suisse. Ils l'ont installé à Miami. Maintenant, il y en a un aussi en Asie apparemment. Mmh. Donc il y a beaucoup de gens qui transitent à Miami pour ces événements. Donc je vous demande d'aller prendre déjà vos tickets parce que ça sera très il y aura beaucoup de monde à partir de samedi. Donc le African Market qui a été une collaboration avec Roots Event qui s'est mise en place, qui va commencer à midi. Le samedi. Donc les tickets qu'on vend, c'est $40 sur l'internet, sur le event ticket. C'est pour les deux jours. Donc c'est vous prenez, si vous n'avez pas envie de venir vendredi, vous venez samedi, c'est de midi jusqu'au matin. Parce qu'il y aura le African Market, il y aura le Fashion Show, il y aura le Performance. Comme j'ai dit, il y a Lincha, mais il n'y a pas que Lincha. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'artistes. Il y aura Damou Manero, qu'on salue aussi. Barumeur. Barumeur, il vient de chanter aussi. Johnny en Lingala.
Exactement. Donc là, nous, ça, ce sont mes brothers from Florida. Donc, je peux pas les oublier. Donc, il y aura beaucoup de surprises et tout ce que je peux vous dire, c'est que soyez là et vraiment, ça serait une bonne occasion de célébrer avec vous. Voilà. Donc, la bonne occasion sera là. On donne rendez-vous en tout cas à tout le monde le 5 et 6 décembre en plein Miami. En tout cas, tout le monde. La seule chose qu'on vous demande. Quelque part, on est africain et pour que cette Afrique puisse évoluer, on doit se soutenir. Et sans vous, je ne crois pas que cet événement va exceller et que l'année prochaine, on puisse se dire, on va le refaire. Donc venez nombreux, venez vraiment pour qu'on se dise, on est unis, que le peuple américain aussi puisse dire qu'il y a de l'espoir en Afrique, il y a quelque chose à faire en Afrique. Donc le soutien, c'est... Je crois que c'est un devoir qu'on doit partager tous ensemble. Merci à beaucoup des gens qui sont derrière nous. Je vais juste citer les familles qui sont vraiment importantes derrière cet événement. La famille Peters, la famille Kabamba, la famille Mpungu aussi, où nous disons aussi mes sincères condoléances à un des nôtres qui vient de partir, de la famille Fabrizi. En tout cas, un grand courage. On est de tout cœur avec vous. On n'oublie pas aussi la famille Kibonge, la famille De Jong. Il y a beaucoup de familles. Beaucoup de familles. En fait, ça sera un peu, je dirais, moi, j'aime pas trop citer les noms. On laisse Ika De Jong faire ça. On laisse ça, c'est pour Ika De Jong. Donc, vraiment, je peux pas donner vraiment des noms. J'ai trop de monde qui sont là, qui m'ont supporté, que vous vous reconnaîtrez. Et je peux vous dire seulement, Aksanti, merci. Vraiment. Mélodie, Aksanti, merci. Voilà, je remets un grand merci à un grand monsieur qui s'appelle monsieur Florent Kewele Mbongu. En tout cas, merci à lui. On dit à la droite d'un grand monsieur se trouve une grande dame. C'est le mari de madame Solange Mwakana Kabamba que nous saluons aussi en passant. Oui, bien sûr, c'est mon support. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a soutenue. Et comme malheureusement dans nos communautés, les gens pensent toujours que oui, voilà, madame, non, mais mon mari, il est formidable. Et je crois que c'est comme je dis, c'est mon énergie. Et je pense que c'est important qu'aujourd'hui les femmes puissent aussi, comme on dit, on prie toujours pour nos hommes, mais c'est aussi bien de voir que les hommes, ils sont là pour soutenir l'effort que leurs femmes font. Donc pour ça, c'est vraiment une grâce que j'ai. Et en même temps, je salue toute la famille parce qu'ils sont tous au Congo. Et voilà. Honey, I made it. And thank you. I love you. Voilà. Donc, ici, c'est des I love. Hein, donc, mon bof, respect à toi. Je remercie aussi, en saluant aussi, en passant, je ne vais pas oublier toute la famille Mobutu qui est partout dans le monde. Donc, un grand salam à eux aussi. On est là, Miami, on est là, donc le continent américain, GLTV1.com est là. Manuel Pereira, que nous saluons en passant aussi, ainsi que son épouse. On remercie en tout cas tous les gens qui sont ici à Miami, qui ont permis aussi qu'on soit là, qui ont permis aussi qu'il y ait la joie partagée. Toute la famille Kabamba, ici à Miami, que nous saluons aussi en passant. Patrick Ponda, Christian Baka, Oscar Bell, en tout cas un big salam à vous. Je n'oublie pas de saluer un homme spirituel, Jean-Denis Basselé, qui a énormément prié pour cet événement. En tout cas, merci à lui. On remercie en tout cas tous les gens, surtout Madame Solange Mwakana Kabamba. On vous donne rendez-vous le 5 et le 6 décembre. Venons pour changer le monde. Venons pour montrer que l'Afrique évolue. Venons pour montrer qu'on n'a pas des piles en Afrique, mais on fonctionne toujours. Merci à vous. Voilà, comme on vous avait dit, on n'est pas venu tout seul. GLTV1.com n'est pas venu tout seul. On est venu aussi avec Route 7. Route 7, c'est quand même l'excellence en Europe. Route 7 permet aussi à beaucoup de gens de sortir de l'inconnu. Route 7, il n'y a pas que Route 7. Il y a les Afro-Péros, il y a Route 7, il y a Bruxelles African Market que les gens connaissent. Et derrière tous ces événements, il y a des grandes personnes. Monsieur Dani, que nous saluons aussi en passant, et Christelle Pandanzila, Deka Ange. Il y a vraiment la liste est longue, mais c'est des gens qui excellent dans leur métier. Bonsoir Christelle Pandanzila. Bonsoir Ika. Christelle Pandanzila, à Miami, en quelques mots. On se devait être là, parce que ça fait quelques mois qu'on travaille déjà sur cet événement, Kin Art Exposition. Et donc là, une semaine avant, on arrive sur place pour régler les derniers détails et faire que cet événement soit l'apogée du Art Basel au niveau africain, ici à Miami. Voilà, Christelle, dites-nous un peu. On sait que pour le moment, l'Europe... Vous avez quand même conquis l'Europe avec tous vos événements. On peut le dire, on peut se permettre de le dire. Et aujourd'hui aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez nous amener de spécial ?
On s'occupe de deux axes, de plusieurs axes, mais en tout cas deux particuliers avec lesquels nous sommes venus donc d'Europe, comme tu l'as souligné. Donc le market, le Brussels African Market qu'on organise déjà depuis 2012 à Bruxelles. Donc on vient avec des créateurs français, des créateurs belges d'origine africaine qui nous ont donné leurs produits pour pouvoir faire découvrir ça au marché américain, parce qu'on ici à Miami en particulier, il n'y a pas de création artisanale, il n'y a pas de designer vraiment africain présent, et donc on vient avec le Brussels African Market. Et puis dans un deuxième temps, comme on s'occupe des afro-péros et des entrepreneurs d'origine afro-caribéenne, mais on va rencontrer les entrepreneurs de la place. On a entendu qu'il y a une grande communauté ivoirienne, il y a des haïtiens, il y a une grande communauté nigérienne, donc on va tout faire pour se mettre ensemble et pour créer des ponts entre l'Europe et les États-Unis. L'excellence, hein. Comme vous voyez, en quelques mots, elle a pu vous dire qu'il n'y aura pas du n'importe quoi. Christelle Pandanzi, là. Encore un mot, Christelle. Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que tu as ramené dans tes valises? Parce que je vais vous dire, on a voyagé avec Christelle. Elle a pris des kilos. À part des caranges, elle a pris des autres kilos. Donc, Christelle, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Il y a des sacs à dos en wax de la marque Kitoko, il y a des t-shirts, il y a des accessoires comme des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, il y a des bagues que je portais d'ailleurs dans la première interview, donc en forme d'Afrique. Il y a pas mal de choses, du linge de maison, donc vraiment de quoi faire baver les gens ici et leur donner l'envie de commander plus et de peut-être nous réinviter les années suivantes, les mois à venir. On est disponible partout dans les États-Unis, hein. Je lance le mot. Je sais qu'à New York, il y a une forte demande, donc vous nous appelez, on vient. Voilà, donc on est dispo, hein. Donc il suffit juste de passer un coup de téléphone ou d'écrire. L'équipe européenne vient casser la baraque. Christelle Pandanzi, là, ainsi que tous les événements qu'elle couvre, en tout cas, big up, il y a du boulot derrière. Elle est à féliciter, ainsi que Monsieur Danny, de l'autre côté aussi, qui continue à bosser. Malgré qu'on le voit pas, il y a des héros dans l'ombre, comme Touba Boboudelo chez GLTV1.com. Un petit mot de la fin, Christelle. Voilà, suivez-nous, parce que là, vraiment, on est à fond sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et surtout pour ceux qui sont ici, venez, et pour ceux qui sont là-bas et qui ont de la famille ici, s'il vous plaît, passez le mot, parce que comme vous l'avez dit, il faut se soutenir, nous, entre Africains, entre Afro-Caribéens, il faut qu'on se soutienne, il est temps d'émerger, hein, c'est vraiment le mot du moment, l'émergence de l'Afrique, l'excellence, donc soutenez-nous, la première édition de Keen Arts Exposition, et on espère en avoir plein d'autres à venir. Voilà, merci, c'était le mot de Christelle Pandanzi, là, on doit bien préciser, c'est Nzila, donc comme chez les Bakongo, elle est là. Merci en tout cas, on remercie Touba Boboudelo à l'image, Deka Ange qui fait partie de l'équipe aussi, et tous les gens qui sont derrière cet événement. Rendez-vous le 5 et 6 décembre ici à Miami. Tu nous passes l'adresse? Ou c'est Fus Studio, je ne connais pas par cœur, mais en tout cas c'est en plein cœur du quartier des artistes, donc là où tout va se passer, vraiment Art Basel. On n'est pas parti dans le studio, il est magnifique, donc Fus Studio, vous pouvez trouver ça sur internet ou bien sur le site, notre site internet, donc www.keenartexposition.com. il y a toutes les informations, il y a l'Incha, il y a sa bio, il y a de la musique, vraiment venez, ça va être la folie pendant 2 jours. Voilà, il y aura la folie, il y aura Damo Maniero que nous saluons aussi en passant, qui sera présent. Monsieur Serge Ibaka, on espère qu'il sera là aussi pour casser la baraque. Donc il y aura du beau monde. Venez nombreux, on vous attend. Un seul rendez-vous le 5 et le 6 décembre. Keen Arts Exposition.